c'est des orientations, pas de la négociation. Merci, M. Richard. Madame de la Durantaine. Oui, je reviens à Monsieur Nadeau. Vous savez, tant que vous dites que vous aviez de bonne foi et que vous négociez bien, là, mais est-ce que vous êtes rendu compte que la population, comment que ça les intéresse? Ça s'est déplacé, hein? Fait qu'il faudrait qu'à un certain moment donné, vous verriez à d'autres choses, là, dépêchez-vous de négocier. Si vous êtes sur ce comité-là, il faut se grouiller. C'est ce qu'on veut faire, on veut négocier, madame. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, madame. C'est très, très long. Berthe Martineau, 21-23. Moi, je suis après me demander si c'est quelqu'un au conseil d'administration qui pense à nous autres, les membres. Là, on dirait qu'ils sont tous ensemble puis ils sont tous contre nous autres, d'après ce qu'on peut voir. Il y a rien qui mange. Je suis venu à l'Assemblée la semaine passée, c'est encore la même affaire aujourd'hui. Regarde. On ne peut pas se comprendre personne. On se demande s'ils pensent à nous autres à la salle à la table de négociation. OK. Alors, encore quelques commentaires, puis après, on a une proposition sur la table. Il faudra prendre un vote. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Carrier. Jean Carrier, 7337. Je pense qu'on est rendu à la période des insultes personnelles, des allusions malveillantes. Moi, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de l'Assemblée. On s'est disputé sur 60, 40, 20. Dans le 4.2, le syndicat et le conseil d'administration, les représentants du conseil d'administration, se rencontrent. C'est à eux qui importe de décider si c'est 40, 20, 60 ou indéfini. Je pense qu'ensemble, puis c'est clairement indiqué, je pense, dans la proposition, ensemble, ils décident, on se donne 20 jours, puis dans 20 jours, si ce n'est pas réglé, on passe devant l'armée. Si c'est 20 jours, c'est trop vite, on dit, on s'en donne 40. Puis peut-être que dans la négociation, il y aura peut-être moyen de s'entendre aussi sur d'autres délais. Moi, je propose qu'on vote sur le 4.2, qu'on accepte ça, puis qu'on en sorte, s'il vous plaît. Merci. Alors, le vote est demandé. M. Carrier a demandé le vote. Donc, M. Raymond Sanson. Donc, je vous rappelle qu'on vote sur le 4.2. Alors, vous l'avez sur votre carton. Alors, vote sur la levée du local conditionnellement à l'acceptation ferme par les partis des conditions de la proposition et l'engagement ferme par les partis quant à la fin de tous les moyens de pression, incluant la grève de local. Donc, vous votez sur le 4.2. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette proposition? Le vote est demandé, madame. Quels sont ceux qui sont contre? Alors, on va compter les votes. Parce que c'est, je ne peux pas déclarer. Là. Alors, je vais demander d'avoir des personnes pour... Oui, OK. Donc, on va les compter par rangée. OK. Donc, je vais demander...